Diagnostiqueur? Alors, c'est évaluer les consommations d'énergie sur les exploitations agricoles. C'est savoir prendre en compte les besoins d'une exploitation agricole. C'est accompagner les agriculteurs pour leur permettre de faire des économies d'énergie sur leur exploitation, dans leurs pratiques agricoles quotidiennes et des fois sans investissement. Donc c'est tenter d'atténuer le réchauffement climatique, ça c'est clair, mais c'est bien évidemment d'améliorer leur performance énergétique pour économiser de l'énergie et donc de l'argent. C'est déjà de rencontrer l'exploitant agricole sur l'exploitation et de recenser l'ensemble des consommations d'énergie directe qu'il peut avoir, c'est-à-dire toutes les énergies qui lui sont facturées, que ce soit le fioul, l'électricité, le gazole, non routier, etc. Mais aussi recenser les énergies, ce qu'on appelle les énergies indirectes, c'est-à-dire les engrais, les phytosanitaires, tous les intrants de l'exploitation qui nécessitent de la consommation d'énergie. Je vous demanderai de sortir un petit peu vos factures, je vous poserai plusieurs questions, parfois embêtantes, et des questions auxquelles vous ne saurez peut-être pas répondre. On essaiera de trouver les réponses ensemble. À partir de là, on pourra effectuer un bilan de ces consommations d'énergie. On peut aussi vous accompagner dans la réalisation de plans d'action. Essayez de trouver aussi des subventions, si c'est le cas, pour des investissements qui sont un peu chers. C'est une visite de terrain avec la collecte des données nécessaires au diagnostic. Ensuite, c'est la saisie des données dans le logiciel Viaterre. Enfin, la construction d'un plan d'action partagé. Et bien sûr, la réalisation des actions et une visite de contrôle qui permet de vérifier les bonnes actions réalisées. C'est un outil national qui permet donc de diagnostiquer la ferme et qui permet pour nous au niveau national de pouvoir faire des analyses statistiques et de rendre en même temps que le diagnostic un positionnement par rapport aux exploitations qui feraient la même chose. Donc c'est très facile, il suffit d'aller sur le site de diagnosticmaferme.com, vous avez un petit onglet, le réseau à votre écoute, et vous pouvez choisir le diagnostiqueur qui vous convient le mieux par rapport à votre résidence géographique et par rapport à votre filière, à vos productions.